Quels sont les points forts de Bruit Blanc, en fait? On n'attend rien, je pense. On n'est pas dans une recherche, nous comme... Enfin, peut-être un peu les artistes, mais en tout cas, nous, on ne cherche pas à que ça marche. Pour moi, enfin, pour nous, ça marche. Ça veut dire quoi? C'est quoi nos objectifs pour chaque artiste, pour chaque projet? On a des objectifs qui sont précis, qui sont atteignables. Et on ne peut pas être déçu parce qu'on n'est pas... absolument à demander un concert par pitié ou voilà, on prend tout ce qu'on arrive à décrocher, c'est du bonus. Ça, c'est un premier point fort. Ouais, j'ajouterais le fait qu'on soit passionné par la musique. Enfin, c'est aussi un complément de ce que tu dis, donc on n'attend rien, enfin, on fait vraiment ça par envie de promouvoir. Voilà, on est bénévole des artistes qu'on aime beaucoup et on a envie de les faire découvrir au maximum de personnes. Donc ce côté-là, c'est un peu une énergie sans fin, quoi. Tant qu'on accompagne des projets qui nous emballent et des gens qu'on trouve chouettes, c'est ça notre point fort, je pense, plus gros. Ça peut être n'importe quelle musique, n'importe où. Ça peut être n'importe quelle musique à partir du moment où... On peut dire elle est bonne, ça veut rien dire, mais où elle nous plaît. Ouais, où ça nous et touche. On parlait beaucoup entre nous, je pense qu'il y a un esprit bruit blanc, plutôt qu'un style de musique, même si l'esprit c'est... Alors on fait pas du tout de punk rock, mais c'est un esprit punk, du mouvement punk en fait, du fait maison, de la débrouillardise. Et le dernier point fort aussi qu'on peut avoir, c'est qu'on touche à tout. Mais pas dans le mauvais sens du terme. Je pense qu'on se débrouille pas mal dans pas mal de domaines. Et en fait, non, c'est surtout qu'on est beaucoup, on est deux là, un peu à booster le collectif. Mais il y a beaucoup d'artistes et de non-artistes qui gravitent et qui nourrissent. Et en fait, tous les artistes qui ont chacun leur projet, leur groupe, se nourrissent les uns les autres, font des featuring, participent au mixage de l'un, l'autre prête du matériel, et puis on a un autre qui va faire la pochette ou le clip vidéo. Et du coup, c'est ça aussi, c'est qu'on est multi-talent, multi-compétences, parce que tout le monde a plein de compétences différentes. Enfin, quand on se rassemble, on se rend compte qu'en fait, on est une multinationale de compétences. Pareil. Oh, c'est un peu mieux là. Nous, on défend plusieurs artistes, la plupart originaires de la métropole lilloise, voire même de la région de France, parce que c'est là qu'on vient, donc on les connaît plus, mais on n'est pas fermé. Bruit Blanc est né avec le projet de Yolande Bashing, qui est un projet de pop synthétique, très électronique, à la fois chanson et à la fois électro. Maman, c'est Jean-Pierre au téléphone. Aujourd'hui, je suis à Bourges. Et la salle est presque pleine. Rappelle-moi vite. Bisous. Jean-Pierre, c'est maman au téléphone.
J'espère qu'ils s'occupent bien de toi, Yolande, là-bas. Que tu te sens pas trop seul. En tout cas, tu sais, tu manques à tes canaris, Jean-Pierre. Ici, c'est vrai. Tu leur manques. Bisous. Maman. Maman. C'est un projet qui est né parce qu'en fait je suis dans un autre groupe qui s'appelle Les Dents depuis 2014-2015 on compose ensemble et du coup ce projet dans Les Dents on amène beaucoup de matière, moi je compose énormément et le truc c'est que j'arrivais avec plein de choses qui n'étaient pas forcément intéressantes aussi pour Les Dents et du coup j'amassais comme ça beaucoup de matière que je voulais réutiliser, enfin, et à partir d'un moment j'avais beaucoup de choses de quoi faire un EP et puis quelques voix qui se posaient, du coup je commençais à chanter un peu et je me suis dit bah tiens ça en fait ça, c'est une entité à part entière, ça existe, ça peut exister tout seul. Et puis ça s'appelle Yolande Bashing. Et voilà, c'est comme ça que le projet est né, un peu. On l'a connu humainement et artistiquement au même moment, puisque ben, comme les gens passionnés de musique, on s'échange beaucoup de « Ah, t'as écouté ça, t'as écouté ça ?» Et quelqu'un m'a dit que sa sœur avait entendu par son cousin qu'il y avait tel groupe qui était cool, et il m'a envoyé un son, et j'ai trouvé ça super. Et c'était pas le projet de Baptiste Yolande Bashing, c'était un autre projet qu'il avait avec son frère. Et à ce moment-là, j'avais envie de faire un fanzine sur des musiciens. Donc je lui ai demandé un rendez-vous pour boire une bière et discuter de sa musique. Et en étant étonné de ne l'avoir jamais entendu parler de lui à Lille. Et on a bu un coup et il m'a dit « Ah, j'ai un projet solo là, faudrait que t'écoutes. » Et puis j'ai dit bah, « C'est super, moi j'aimerais bien monter un label. » Et c'est comme ça que ça s'est fait, tout simplement. Et du coup, Yolande Bashing, Bruit Blanc, ouais, ça a démarré au même moment, en tout cas sous la forme que ça a aujourd'hui. Mais on a grandi ensemble, on a grandi ensemble, on a construit les choses ensemble. C'est des projets qui sont intimement ou intrinsèquement liés dans leur développement, quoi. Parfois, je regarde fixement et je pense que rien ne doit sortir, comme si le choix de l'expression ne m'était pas proposé. C'est à ce moment-là que je songe à ouvrir une porte devant moi, n'importe laquelle. Dès l'instant où elle me conduira quelque part ailleurs, quelque part ailleurs, quelque part ailleurs. Alors je reste. Là, mon corps est planté, là, et là, rien ne se passe. Je voudrais méditer, me saisir de toute cette énergie que je stocke. Là, et je le sens tout à l'intérieur de moi, mais rien ne sort, rien. Alors je reste là, ma tête est posée, là, et là, rien ne se passe. Le printemps de Bourges, cette année, qui a quand même donné un bon pied d'accélérateur au projet. On s'y attendait pas du tout. Romain me dit « Je t'ai inscrit aux Inuits du printemps de Bourges, tu vas passer les sélections à Lille. » Déjà, ok, bon bah cool, bonne idée, pourquoi pas, allons faire des concerts. Et puis voilà, je suis pris et puis je suis sélectionné pour représenter le Nord là-bas. Donc c'était... Je dirais pas que c'était un moment super agréable de jouer une demi-heure devant une salle de pro, mais je suis content de l'avoir fait
Et ça a été aussi décisif pour après d'autres rencontres, pour d'autres dates qui vont se faire cette année-là à la rentrée. Et là, on va se poser la question, c'est que lui, de notre point de vue, en tout cas, il explose, mais pour le coup, il émerge pas mal. Et à quel moment on le suit, on continue à l'accompagner, on a les compétences pour le faire, et à quel partenaire on peut aussi confier telle ou telle mission si lui commence à justement intéresser un tourneur professionnel. C'est sûrement mieux que ça soit un professionnel qui s'occupe de ça, parce qu'on est peut-être moins fort dans ça, et nous, on continuera peut-être à le conseiller sur d'autres choses, et, etc., etc. Prochaine chanson, c'est une chanson de l'amour. S'il te plaît. J'arrive à peine à aimer. Je vous l'avais dit. Hein. J'arrive à peine à savoir qui veut de moi dans le cœur. Aide-moi à réparer. Et je vais m'amuser à réparer les vivants. Je veux m'amuser à réparer le vivant. Je veux m'amuser à réparer le vivant. Je veux m'amuser à réparer le vivant. Quand là, tout est parti et que tout est parti, alors j'ai réussi à te. Donner envie quand là tout est parti et que tout est parti, alors j'ai réussi à te.